Non seulement l'attente, nous m'ongons assez avec une voix douce, une voix qui apaise le cœur des femmes. Les lots comme les 17, on est déjà les 17 aujourd'hui. À faire des bagues là, c'est où? J'ai besoin de maman Chantal Bomolo. Qu'elle puisse venir ici, qu'elle prenne le tabouret, qu'elle puisse s'asseoir. Affaire de mariage de Nicky Menga, Nana Ketchup et Fally Ipupa, c'est déjà résolu. C'est des choses anciennes. Fally, chaque jour, on les voit passer sautant à l'extérieur du pays. Lui-même n'a pas l'état pour lui. À plus forte raison, il n'aura en aucun moment l'état pour Nana Ketchup. Nana Ketchup, c'est la personne avec qui il partage la chambre, mais ne sont pas mariés, ne sont pas en relation. Ils ont fait affaire parce qu'ils vivent ensemble, à cause du désir charnel de l'homme. Mais ce n'est pas la femme que Fally aime. Il faut vraiment me comprendre, s'il vous plaît. Vous qui m'insultez, spécialement Maman Chantal Bomolo, vous avez dit le 13 janvier, il y aura engagement, il y aura ceci, il y aura cela. Aujourd'hui, on est le 17. J'ai patienté. Maintenant, comme vous voulez les problèmes, je vais m'engager solennellement à vous détruire tous. À partir du jour où je vais écouter qui que ce soit parler négativement de Nicky Menga. Vous aviez manqué des arguments. Vous nous aviez promis le mariage. Vous nous avez promis l'engagement. Depuis le stade des martyrs, vous aviez crié tout haut que Nana Ketchup sera présentée au public officiellement comme la femme de Fally. Ce qui n'a pas été le cas. Nana Ketchup a été présentée comme une danseuse de F-Victime. Le problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème est que depuis que j'avais dit que Nicky Menga est ami à une personnalité trop importante, trop élevée du Congo Brazza, c'est là où toutes les choses ont commencé. Les montages des mensonges. Vous qui ne connaissez même pas Fally, vous n'avez jamais parlé à Fally. C'est vous qui amenez vos bobards, soi-disant qu'il va se marier, il va faire des engagements. Il ne faut pas amener sur les réseaux sociaux vos ignorances. N'amenez pas aux réseaux sociaux vos manques à faire. Il faut venir avec des preuves tangibles. Si tu parles à Fally, si tu as déjà communiqué à Fally, parle-nous de ça. Mais à part ça, à part vos mensonges, vos jalousies, vous des sorcières, aujourd'hui, vous êtes tenus à l'œil nu. Vous êtes vus comme des menteuses. Surtout Maman Chantal Bomolo. La vieille, une pétasse qui ne se respecte pas. Tu as tout fait pour faire des émissions, pour étouffer Nicky Menga. Mais elle ne t'a jamais répondu. Ce sont les gens qui aiment Nicky Menga qui viennent te montrer les réalités des faits. Un musicien soi-disant qui n'aime pas Nicky Menga, mais plus de 7 chansons sont dédiées à Nicky Menga, que des jetons, puisque Nicky Menga est dans la main d'une autre personne. La bague que j'ai mise ici, c'est la bague d'engagement de Nicky Menga. Nicky Menga est engagé. Il a appelé Fally Ipupa, ces garçons-là. Il faut bien comprendre et prendre les messages. Nicky Menga n'a pas le niveau de Fally Ipupa. Au moment où on se parle, vous allez venir embrouiller les réseaux sociaux. Vous allez l'insulter. Mais elle n'est pas votre amie. Elle n'est pas votre camarade. Les amis, l'entourage de Maman Chantal Bomolo, que j'appelle toujours Maman, Nicky Menga n'est pas ton âge, n'est pas ton type. C'est comme ta fille. Toi, tu es déjà une vieille maman.
Nikki Menga, c'est ta fille. Les affaires de Nikki Menga sont tes mêmes, sont tes grands-filles, tes petites filles. Faut bien comprendre ça. Si moi j'étais tous ces gens-là qui font des bruits autour des Nana Ketchup, je devrais disparaître des réseaux sociaux, je devrais me caser quelque part et changer la manière de dire et de faire des choses. Puisque la façon dont vous faites honte à Nana Ketchup, la façon dont vous déstabilisez, vous démoralisez, vous faites insulter Nana Ketchup, ce n'est pas digne de vous. Nana, c'est une femme qui sait que Fally ne l'aime pas. Nana, elle est là pour se chercher. Fally, elle connaît Nana Ketchup très bien. Si Fally pourrait épouser Nana Ketchup, ça pourrait se faire il y a longtemps. Mais s'il a traîné, s'il n'a pas voulu épouser Nana Ketchup, puisque lui-même, il sait les causes, alors cessez d'embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de formation, parlez des albums de Fally Ipupa qui ont échoué malheureusement. Parlez des chansons de Fally Ipupa qui incitent les filles à la prostitution. Si c'est ce que vous voulez. Puisque quand je vois ma maman, notre maman Chantal Bomolo, elle ressemble aussi à une pute. C'est pour cela qu'elle aime les chansons de Fally, puisque ça l'incite à la prostitution. Mais une personne qui a des sens, qui a des common sense, qui a la manière et la personnalité bien organisée, bien orientée, ne peut pas se comporter comme Maman Chantal Bomo. Elle-même, elle sait bien que Nana Ketchup est là pour ses propres intérêts, mais elle n'est pas là pour l'amour. Elle sait bien. Fally a fait affaire avec la cousine de Nana Ketchup. Il a fait affaire avec des danseuses. Vous pensez que la personne comme ça, c'est la personne que Nicki Minaj peut vraiment mettre dans sa vie? Un monsieur qui n'est pas capable de protéger sa propre famille. Un monsieur qui est capable de détruire sa famille sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est la personne que Nicki Minaj peut vraiment s'accrocher? À qui Nicki peut s'accrocher? Nicki a déjà décalé il y a longtemps. C'est coupé, décalé. Elle est déjà partie il y a longtemps. Vous allez faire des émissions. Vous allez l'appeler poubelle. Vous allez l'appeler saleté. Ça, ce n'est pas un problème. Puisque elle n'est pas dans votre niveau. Elle n'est pas dans votre game. Elle ne fait pas les games que vous êtes en train de faire. Vous êtes là pour chercher des vies. Vous êtes là pour chercher l'argent des réseaux sociaux. Ce qu'elle n'a jamais fait, elle ne fait pas. Si aujourd'hui Nicki Minaj commence à faire, à ouvrir sa chaîne de YouTube, je vous assure que même vous tous là, chaque jour vous serez là pour prendre des nouvelles de tout ce qu'elle va faire. Vous n'êtes pas là pour Nana Ketchup. Vous êtes là pour le nombre de vies. Vous cherchez le nombre de vies partout. Malheureusement que les YouTube même ne vous aiment pas, les personnes qui vous écoutent, vous les étouffez. La dame Maman Bomolo, tu n'es pas capable de t'exprimer sur la personne de Nana Ketchup que tu loues chaque jour. Tu ne la connais même pas. La façon dont tu parles de Nana Ketchup, tu ne la connais pas. Mais nous là, quand on voit Nicki Minaj, on voit l'association, on voit la personne, on voit une femme vraiment digne, une femme mire, une femme de caractère, une femme de compétence, une femme Mama Waro. Aujourd'hui, c'est elle, Olive Lembe, autrement dit Mama Waro. C'est Nicki Minaj. Alors moi, la vidéo, si je l'ai fait, c'est pour vous. pour me donner un peu de sourire. Pour vous dire que il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux en train de mentir. Nicki Minaj, elle est déjà partie. Vous allez l'insulter, mais elle s'en fout de vos insultes. Avant d'insulter Nicki Minaj, regardez aussi le passé de votre maman. Regardez le passé de votre Nana Ketchup. Avant d'insulter Nicki Minaj,
Niki menga, son passé est tellement clair, son présent est tellement béni que son futur est tellement clair. Elle voit où elle va. Elle regarde vraiment là où elle va. Son tunnel est tellement clair. Mais pendant que vous là, maman Bomolo, est-ce que tu as vraiment un avenir? Quand je te regarde, ça me fait pitié. Mais je ne serai pas là, moi je vais me coucher. Je viens bientôt là. Le jour où je vais écouter quelqu'un parler de Niki Menga négativement, je vous appelle mes chers amis, mes chères sœurs qui êtes là. Avouez-moi seulement la petite vidéo de la personne. Et puis je vais péter les faits sur les réseaux sociaux.